Moi, je pense que je comprends parfaitement le parquet parce que probablement c'est pour encore ratisser plus large, puisque les crimes contre l'humanité concernent des crimes qui ont été commis indirectement par des responsables sur la chaîne de commandement. Je pense que c'est de bonne guerre si le parquet estime qu'au stade des débats, après avoir entendu la plupart des accusés et certaines parties civiles, s'il estime qu'il y a lieu de requalifier les faits, d'abord c'est légal, ça c'est le premier aspect. Et deuxièmement, ça dépend de sa stratégie. Parce qu'encore une fois, c'est le parquet qui poursuit. Nous ne sommes que partie accessoire dans ce procès. Dès lors que le parquet pense qu'il faut demander une requalification, que le parquet est mieux et il est plus à l'aise en demandant la requalification, nous ne pouvons que soutenir le parquet dans sa démarche parce que, in fine, le plus important, c'est la condamnation des accusés par rapport au massacre du 28 septembre. C'est d'abord par rapport à plusieurs éléments qui ont été apportés à cette barre par rapport à certains accusés. Je pense que le parquet a savamment mûri sa stratégie que nous respectons.